Bonjour, les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les soucis à ma façon. Donc, moi, je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai pris ou j'ai déjà préparé un peu à l'avance. Sinon, ça fait trop long les vidéos. Donc, moi, j'ai pris cette riz. Hein, ça marche bien. Là. Voilà, donc moi j'ai déjà fait cuire 400 g du riz, 700 ml d'eau pour faire cuire. Et voilà, donc, et bien sûr, c'est au saumon, et l'avocat, concombre, j'aime bien avec carotte. Voilà. Donc là, j'ai préparé le vinaigre du riz avec 2 cuillères de sucre. Je vais mélanger dedans. Bien sûr, j'ai déjà lavé la main parce qu'il faut travailler à la main. Donc, on mélange. Voilà. Là, il est pris le riz. J'ai mis à côté. Et là, les avocats, je vais couper en morceaux comme ça. Je vais mettre un peu de citron. Pour que c'est pas noirci, pas beaucoup. Voilà, on laisse à côté. Voilà, donc maintenant on prend les ailes, on pousse ici. Voilà, l'hélice, j'ai mis à bas comme ça, et là je vais le mettre en deux. Comme ça. Voilà. Là, j'ai de l'eau pour tremper les doigts pour qu'ils ne collent pas trop sur les riz. On pose ici. On laisse 1 cm au bord, voyez. Là, il a bien rangé mon riz. Je prends ce que je voudrais les mettre ensuite. Donc, je prends le saumon, voyez, je coupe le saumon. Parce que... Je pose comme ça. Voilà, comme ça. Là, je vais poser l'avocat.
C'est ça que l'avantage qu'on fait à la maison, hein, générer. Après, on va rouler comme ça. Vous voyez, prends les formes, je l'enlève. Et là, je continue. Je serre. Je tire de là. Et là, je l'enlève. Et là, j'ai mis de l'eau pour qu'il colle bien. Et voilà, c'est pris la première étape. En effet, maintenant, je vais juste prendre la forme que je voulais. Voilà. Et voilà, les amis. La deuxième, c'est la même sauce. On trempe de l'eau entre les doigts. On prend du riz. On étale. Faut pas trop épais, faut pas trop fin non plus. Celles-là, on va les mettre à l'extérieur, à l'intérieur des riz. Pardon, c'est à l'intérieur on va les mettre. Pour ça que je ne laisse pas un centimètre comme tout à l'heure. Ici, je remplis. Vous voyez, comme je n'ai pas d'appareil, donc après, je tourne. Vous voyez, je prends juste un peu de film. Qui bien coulé les riz. Voilà. Film alimentaire. Alimentaire, il faut prendre le film. Voilà. Et là. C'est tout. Voilà. Vous voyez? Le saumon. Exact, comme tout à l'heure, première étape, et après un deuxième. Et voilà. Tirer sur, toujours tirer là. Et là-bas, là-bas. Voilà. Qui est bien collé. Vous voyez? Je peux rajouter du riz si je voulais de plus. Voilà. On est bien fort. Voilà. Voilà la deuxième.
La troisième, on va faire la grande. Grande feuille. Voilà. Comme ça. On trempe. On prend les riz. N'hésitez pas à tremper les doigts si vous voyez que vous n'arrivez pas à ranger les riz. Hein. Et dans l'eau. Voilà, on a mis de l'eau comme ça. Là, je vais mettre le saumon. Là, je vais mettre le concombre. Oui, je dois mesurer le concombre. Ah, c'est parti. Voilà. C'est ça que ça sert quand vous voulez qu'il est bien serré. Voilà, on tire un peu comme ça. Après, on fait comme ça qui est bien rond là. Focalisé. Voilà. La troisième. Comme ça, on sait la différence parce que. Et là, le concombre, il est gros et ce qu'on fait avec l'avocat, ils sont petits. Vous voyez, là, je pousse les riz, là, les dents qui vont à côté, en fait. Voilà, c'est fait. Vous voyez, celle-là, j'ai mis un peu plus de saumon. C'est l'avantage qu'on fait à la maison. Là parce qu'il est gros donc je vais les mettre un peu plus. Voilà, je fais encore un concombre. Voilà, hop. Voilà.
Là, je fais en grand sans les algues. Donc, je prends le film. Je dirais directement. Par contre, il ne faut pas trop fin, sinon ça c'est cassé, ça craque. Toujours mais pour faciliter d'enlever le film, je mets un peu de l'eau. Je mets de l'eau pour faciliter enlever le film. Pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà. Ça, il faut doubler. Voilà. Même chose. Voilà. On a là, on enlève le fil. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Là. Voilà, celui-là.
On va faire avec les sésame. Moi je fais comme ça. Hein. Je prends le gros, je roule. Bon, là je vais décorer oignons frites. Quelques-unes, hein, parce qu'il y en a quelques. Voilà. Je vais faire la menthe. Moi, je décore comme je voulais. Hein? Bon, les amis, c'est fini. Résultat. Et là, j'ai décoré avec tout ce que je peux, tout ce que je voulais. Carottes, oignons, frire, la menthe et tout. Donc, je vous dis que si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de le mettre le pouce bleu. Merci.